Sion, LR était devenu si dangereux que non seulement tous les animaux avaient péri au même temps que les végétaux, mais aussi les champignons, qui constituent le règne le plus tenace et le plus obstu, tant du point de vue biologique que littéraire. L'eau de mer était devenue radioactive, ainsi que l'air, et il y eut de nombreuses mutations destinées presque toutes à une survivance éphémère. Mais la vie même ne disparut pas entièrement. Seulement, elle revêtit des formes très difficiles à décrire dans les termes dont on usait avant la fin du monde. Sur les troupeaux des plantes qui pâturaient sans défense dans la vallée.
substance spéciale qu'elles utilisaient pour la synthèse, bien que c'est souvent elles présentassent des taches, coiffures, dessins et bizarreries d'une autre couleur, pourpre, violet, jaune, vert, orange ou rouge. Le blanc cependant était rare, excepté au pôle, et le noir presque inexistant. À l'époque des migrations, ces rats arrivaient à obscurcir le ciel de leur vol, enveloppant de pénombre bleu foncé les forêts d'éléphants ou enfin de choses qui ressemblaient à des éléphants d'un orange plutôt voyant. D'autres formes volantes se sont répandues, des hélices qui tournaient sur eux-mêmes. Celles-ci se déplaçaient surtout la nuit, étant fluorescents sur le ciel noir et laissaient les sillages de la terre. Et s'affichaient par quatre avec une abondante émission de sel. Les formes marines étaient beaucoup plus nombreuses que les formes terrestres. Les abysses étaient revenus à vie, et dans les abysses, la mer avait commencé à se diversifier. Ils régnaient sur les océans, une espèce de melon. Les mégaphones, s'il te plaît. Rien. Vous savez bien ici? Rien, on y va. Monsieur, il m'a si compris. Pour ici. Pour ici. Là, allez. Vous pouvez enseigner pour là? C'est bien là? C'est génial? C'est bien. Là c'est bien du coup. Ouais. Ok. Bien. Bien. Et maintenant, je vous laisse avec Méduse.
Elle soutient que jeune fille, elle était belle. Quoi qu'il en soit, l'infortunée Méduse vit aujourd'hui déchirée entre le désir d'accentuer sa propre laideur afin d'être encore plus différente des autres femmes et celui de sauver ce qui peut être sauvé en dépensant des sommes fabuleuses chez le coiffeur. Et chez la couturière. C'est moi, c'est moi. Chez le coiffeur, elle choisit, elle se fait décoiffer ses vipères, de façon qu'elle lui tombe encore plus en désordre sur le front et sur les yeux. Elle choisit des étoffes précieuses pour s'y faire couper des simples sacs avec deux bretelles. Ah. Ah. Comme ceux qu'endossent les mendiantes. Mais ces sacs même lui semblent encore trop voyants, entraînés par la perversité et par le désespoir. Elle commande pour finir que l'étoffe soit retournée de façon que des riches brocarts d'or, on ne voit plus que le revers et la trame grossière. Ah!
Pauvre femme. Elle est si méchante qu'elle ne veut pas se tuer, malgré l'excès de ses souffrances, pour pouvoir se punir elle-même lorsqu'elle ne punit pas les autres. Serpent de sa tête se laisse tomber à terre
le temps.